suis aujourd'hui un homme heureux. Lord Honorable Saïd, Rogel Saïd. Heureux de revenir en Afrique. Saïd Nergateni, Afrique. Heureux de revenir en Égypte. Arga Mosr Mauritania. Can you hear me? Je disais à l'instant que j'étais. Je disais à l'instant que j'étais un homme heureux. Heureux de revenir en Afrique. Heureux de revenir en Égypte. Et heureux et fier d'être le nouveau coach d'Al Ahly. Comme Mohamed vient de le dire, l'opportunité d'Al Ahly s'est présentée. Pour moi, c'est il y a des clubs dans le monde qui comptent et Al Ahly pour moi, qui aime l'Afrique et le club où j'ai toujours rêvé d'être. Aujourd'hui, j'y suis. زي كابتن محمد يوسف ما قال نادي الاهلي ده كان فرصه كبيره جدا بالنسبه لي وانا سعيد اني موجود فيه وكان حلم بالنسبه لي اكون في نادي كبير زي النادي الاهلي avec pour moi les avec trois objectifs trois motivations عندي تلات اهداف c'est les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé التلات حاجات اللي اداهم لهم اللعيبه بتاعتهم وقت لعبته وقت ما وصل مصر en un نمره واحد النتائج En deux, les résultats. Netaïk. Et en trois, les résultats. Netaïk. Le reste, quand on est à la Ligue, c'est de la parlotte, on parle pour rien. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble du club pour l'accueil dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée. Que ce soit les membres du board, que ce soit les gens du secteur administratif qui nous permettent au quotidien de travailler dans de très bonnes conditions. Je suis très heureux également du staff que Mohamed a choisi et mis en place. Un mélange d'expérience avec Michael. كابتن محمد يوسف et un mélange de jeunesse également avec Sami كابتن سامي je tiens également à remercier le docteur pour la qualité de son travail et du staff médical وبشكر الجهاز الطبي والدكتور لشغل كويس مع الفريق ainsi que tous les gens qui travaillent autour de nous وكل اعضاء فريق الجهاز الفني والاداري l'objectif pour moi est simple الهدف بالنسبه لي سهل gagner gagner et encore gagner اكسب واكسب واكسب On est dans une situation difficile aujourd'hui en Champions League. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. J'ai pas de secret. Je suis quelqu'un de passionné. Un gros travailleur. Je suis quelqu'un qui aime ses joueurs comme ses fils. Mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. Depuis que je suis arrivé, je mange à la lit, je bois à la lit, je dors à la lit. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à l'Ali, j'ai juste besoin de sortir dans la rue pour comprendre que je suis le coach de l'Ali. J'ai eu la chance par le passé d'être dans un autre club africain avec beaucoup de passion. Je sais qu'il y a beaucoup de passion ici. Et inutile de vous dire à quel point je suis motivé pour ramener toute cette passion et tout cet enthousiasme dans les rues du Caire dans quelques mois. Choukran.